Départ validé donc pour Chaprior, bride avec Shawasson, étincelle qui s'est tout de suite emparé du commandement et qui a pris un excellent départ. Alors qu'on vient maintenant en seconde position avec Best Seller. On est dans leur dos en troisième position avec Diligas qui vient également juste devant Incroyable Ohana avec Hectorville et Cadesco notamment. Les concurrents qui sont maintenant dans la ligne opposée avec Étincelle qui emmène toujours le peloton avec un très léger avantage et qui va pomper en tête avec Best Seller qui est en seconde position. On est dans troisième position à l'extérieur avec Cadesco qui vient librement juste devant maintenant. Diligas qui est à l'arrière-garde et qui ferme la marche du peloton. Hectorville tente de progresser également. Les concurrents qui sont maintenant dans le tournant final et toujours la même main. En tête, Shawashan Étincelle qui emmène le peloton avec un très léger avantage avec Best Seller qui vient bien calé dans son dos. Cadesco tente de venir l'attaquer également juste devant Hectorville qui va tenter de refaire du terrain également. Les concurrents qui sont maintenant dans le tournant final, ils vont déboucher dans la phase finale de cette épreuve dans quelques instants avec Étincelle qui emmène toujours le peloton. Thomas Vallée aussi depuis le début de l'épreuve, il a supporté le poids de la course et va tenter de se relancer maintenant avec Best Seller avec à l'extérieur maintenant Cadesco qui va tenter également de venir. A été décalé par son partenaire et puis incroyable Ohana qui tente de regagner du terrain et des rangs. Les concurrents qui sont maintenant à moins de 100 mètres du disque final avec en tête on repart les plus belles avec Étincelle qui a librement l'avantage et Thomas Vallée 3-4 longueurs d'avance maintenant pour Étincelle qui va s'imposer très facilement dans cette épreuve. Canter d'Étincelle donc qui s'impose. La seconde place pour Best Seller, la troisième place pour Cadesco et la quatrième place pour le numéro 6 Hectorville.